Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est P25. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode du Hunger Games Loup-Garou. C'est parti, les trois frères reçoivent des explosifs. L'ange pousse l'idiot du village avec son trident. Le grand méchant loup découvre une cave. Une grotte plutôt. Le simple villageois se cache. L'infecté père du loup s'entraîne à l'arc. L'enfant sauvage ramasse des fleurs. Bouc émissaire et le salvateur travaillent ensemble. Le chasseur pousse l'ancien d'une vallée, d'une montagne, on va dire, avec son couteau. Pendant un combat de couteau, justement. La servante dévouée essaye de dormir. Elle combat de couteau aussi, c'est nouveau, on l'a jamais vu. Le loup-garou blanc reçoit une hache. Le chien-loup entend le garde champêtre et les deux sœurs parler à distance. La petite fille reçoit une hache d'un sponsor inconnu. Voilà, première minute de la vidéo. Nous avons 5 morts. Le chevalier à l'épée rouillée, district 10, la gitane, district 9, le joueur de flûte, district 9, l'idiot du village, district 2, et l'ancien, district 2. Il reste pas grand monde, hein. On est au quatrième épisode et il y a déjà plusieurs morts. Il reste environ, j'ai l'impression, un survivant par district, sauf le 2, qui apparemment était pas assez fort. GG au district 2 pour ceux qui étaient pour le district 2, mais là, on procède à la suite. Nuit numéro 4. Ça va être l'ellipse. Ah, pardon, on va pas faire l'ellipse du focus. L'enfant sauvage. Quickly home. Je sais pas ce que ça veut dire. Voyons voir ce que là ça veut dire. Bon, apparemment, ça veut dire bourdonner doucement. Le grand méchant loup reçoit une hache d'un sponsor inconnu. La petite fille n'arrive pas à faire un feu et essaie de dormir. Le bouc émissaire et les deux sœurs se fight, demandent de se tuer, mais le bouc émissaire reste en vie. L'ange piège les trois frères qui meurent. Le salvateur défie le simple villageois, mais il perd sa vie. Le loup-garou blanc détruit le matériel de l'infect père des loups. Et vous êtes dans la même team, bande de bolos. Désolé. Le chien-loup fait un camp. Le chasseur et le garde champêtre se blottissent et la servante dévouée crie à l'aide. Bah, c'est la fin de ce quatrième épisode. Nous nous retrouvons la suite dans le cinquième épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Bogan5. Enjoy. Et merde, j'ai appuyé sur ellipse au lieu de finir.